Salut à tous, les images parlent d'elles-mêmes. La soirée s'annonce belle ici, très belle. Une belle ambiance, une excellente météo. Je vais commenter cette rencontre. Moi, Hervé Matou, je ne sais pas si vous me connaissez. Je suis avec vous, je vous tiens la main, je regarde vos matchs. À suivre une rencontre de Liga Portugal. Je suis sûr qu'on va passer un très bon moment ensemble avec ce match. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. Moi, je suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi chez vous. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. Le dispositif est un 4-3-3 avec deux ailiers, a priori. C'est une équipe dont on connaît le style, hein, beaucoup de pressing haut. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, c'est trop facile pour le gardien ce tir. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Marcus Edwards. Il essaye de trouver la faille. Ah non, ballon perdu. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Ouais, bien vu le centre en retrait. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il progresse. Le ballon contré par le défenseur. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Le tir. Ah, le ballon est contré par le défenseur avant de rentrer. Ah, on voit que le ballon a été détourné. Hein. C'est clair sur ce ralenti. Ça joue un rôle. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Attention, lembramos os adeptos do setor 12 que devem seguir as normas de segurança. Ballon par-dessus. Ah, elle progresse bien là. Ah, finalement, ça ne donnera rien. Ah,
c'est bien joué défensivement, bien vu. André. Quaresma. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. La dernière passe, elle manquait de précision. Ballon récupéré par la défense. La passe lobée dans le dos de la défense. Il va y aller. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Le ballon va être en touche. C'est donné en profondeur. Oh, ça peut faire but. Oh, ils ont raté le chaos. Ils ont raté le chaos avec cette occasion. L'occasion de porter l'avance à deux unités, ça change tout. Hein. André. Quaresma maintenant. Il s'avance vers la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, bonne séquence là. Bonne séquence. Ils y croient, l'égalisation. Quaresma. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Pas de souci pour le gardien. Il poursuit son action. Il cherche des solutions là. Excellente intervention, il récupère ce ballon. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. On voit mal hein, comment cette équipe pourrait revenir au score si elle ne bouscule pas un petit peu plus la défense adverse. Il y a une vraie difficulté à se montrer dangereux. Il prend sa chance. Ah, magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué à une fraction de seconde. Ouais, la tête est sans danger, hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Marcus Edwards. Là, ça joue pas mal. Ça circule. Ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Le centre en retrait. Bon, dégagement sans se poser de questions. Le quatrième arbitre lève son panneau.
une minute de temps additionnel seulement. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période, pour l'instant, je trouve. C'est lui qui a marqué le but qui permet à son équipe de mener. Donc, il a joué un rôle très important dans cette première période. Le match reprend à l'instant, début donc de la seconde période. Oh, ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. La frappe! Le gardien qui repousse. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Il faut qu'il centre maintenant. Ouais, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Il est parti! Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Non, ce sera finalement hors jeu. Marcus Edwards. Carlo Quaresma. Quaresma. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Une bonne phase de conservation là. En attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Cherche une solution là. Plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. Le corner en direction du point de pénalty. Mal joué, mal négocié ce ballon. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Quaresma. Oh, le super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là! Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le corner qui sera dégagé. On a du mal, hein, l'équipe locale, en ce qui concerne la possession du ballon. La statistique ne raconte qu'une partie de l'histoire. Cette équipe mène au score. Elle va peut-être gérer son avance maintenant. Il va y aller. Oh, génial! Quel arrêt génial! Le réflexe à bout portant. Et le corner, allez, pour faire le break, pourquoi pas.
Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Une marque de la tête. On voit le corner qui a amené le but. La reprise de la tête qui ne laisse aucune chance. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, la bonne circulation du ballon. Une ouverture. Ah, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Il a levé son ballon. On cherche une solution. On cherche la faille dans la défense adverse. La balle est sortie, le gardien va pouvoir dégager. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Oh, le but ! Le ballon qui vient se loger juste sous la barre. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Il donne par-dessus. Il avance encore. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Allez, il peut y aller tout seul. Oh, le but à l'instant. Mais ils sont encore loin, hein, au tableau d'affichage. Ah, c'est magnifiquement joué, on voit le ralenti là, il fallait mettre ce ballon au ras du sol, tout en précision. Allez, 9 minutes, il ne reste que 9 minutes à jouer.
Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ah, il a pris sa chance de loin sur cette frappe. La frappe qui est bien partie, c'est au-dessus de la transversale. Sur le grand touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. André. L'équipe qui, dans l'ensemble, a dominé son sujet, qui se retrouve devant assez logiquement. Avec ses deux buts d'avance pour l'instant. Jean. Bon, il a réussi à passer. Oh, le super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est un corner qui ne va rien donner. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Ah, l'adversaire qui resserre son pressing, hein, c'est logique. Oh, il a enrhumé le défenseur. Oh, la frappe. Oui, puissante, ça c'est sûr, mais là on ne peut pas marquer comme ça. Marcus Edwards. Quaresma. Le centre dans la surface. Et la tête, mais qui ne sera pas plus dangereuse. Voilà, c'est fini à l'instant. Et c'est une bonne opération pour cette équipe qui s'impose à la maison. On a vu l'équipe largement supérieure hein, quand même. Le match a été gagné avec la manière. Ça va lui donner confiance. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Il a fait un match assez satisfaisant, je trouve. Il y a ce but marqué, bien sûr. Il y a tout ce qu'il a produit qui ont contribué à cette victoire.